Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Aujourd'hui, on va se charger de tout ce qui est la production d'aluminium, de plaques d'aluminium et de... comment ça s'appelle déjà? Boîtier d'aluminium, c'est ça. Donc, en entrée, j'ai... Combien? C'est beaucoup. Beaucoup d'aluminium, voilà. De bauxite, c'est de la bauxite. C'est de la bauxite. Et là, je vais faire mes calculs. Avec 600 de bauxite en entrée. Sachant qu'il y en a un autre pur. Pas très loin. Là, j'ai 500. Donc là, si je fais ça. De faire plus 10%, donc là on a 240. Donc je crois, si ce que je fais, voilà, si ce que je fais est bien, je vais avoir 240 tôles d'aluminium en sortie, ainsi que 240 boîtiers d'aluminium en sortie par minute, bien évidemment. Putain, la prod. Waouh, ça c'est de la prod par contre. Je vais chercher les ressources. Alors, un peu partout dans le coin là-bas, parce que je vais avoir j'ai eu besoin plutôt. Je vais pas dire je vais avoir besoin parce que je l'ai déjà fait, mais j'ai eu besoin de charbon, voilà. Je vais avoir besoin d'eau, j'ai eu besoin de quartz et de cuivre pour pouvoir faire tout ce bazar. Donc oui, ça fait beaucoup de ressources. Ça fait vraiment beaucoup de ressources. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. J'ai passé au bas mot, je pense, 2 heures à faire juste les trajets, aller chercher les trucs au bas mot. Hein. Voilà. Notre zone de prod, elle sera... Hop, oh, le piège. Elle sera ici, là. Alors, je suis pas sûr qu'elle soit suffisante hein, au niveau de la surface. On réagrandira très sûrement. Et vous voyez, donc j'ai les 4 ressources qui arrivent. Cuivre, charbon, quartz, bauxite. Commençons par le commencement. Qu'est-ce qui est le plus simple à faire? Ah oui, ok. Oh, d'accord, je voyais un truc, c'était bizarre, mais non, tout va bien. Je propose qu'on commence par la bauxite. Hein? Là, je vais coller, je pense, ce côté-là. Et je vais agrandir à balle. T'es pile là où il faut pas. Juste que je dépasse pas. Ouais, là je vais dépasser, donc si je fais ça, hop. Ah. Merde. J'ai oublié un truc. J'ai oublié que... Je suis à 11. Hop. Ah, pute. Voilà. Voilà. Bon, très certainement, la construction ne sera pas en un épisode. Hein. Je pense que je vais galérer un peu plus. Très clairement. Donc, tout ce qui est production, grâce à la bauxite, je vais foutre ça, je pense, de ce côté-là. Quoique, attendez, je réfléchis parce que j'ai besoin d'eau. L'eau, elle est accessible de ce côté. Non, bah je vais faire ma production de bauxite ici, c'est un peu couillon.
dans le sens où bah, elle arrive de ce côté-là. Je voulais mettre de ce côté-là parce que la prod arrive de ce côté-là. Mais il y a deux avantages à ce que je le fasse ici, c'est que l'eau est plus proche. Ça, c'est le premier avantage. Et deuxième avantage, je peux plus facilement agrandir de l'autre côté que par là, parce que là j'ai le pilier là qui arrive. Là, je peux pas vraiment agrandir beaucoup plus quoi. Ouais. Donc, on va le faire de ce côté-là. Et ça va très vite être embêtant, mais c'est pas très grave. Donc on va... Je suis perdu. Voilà, on va faire ça. À terme, il me faudra du MK5, pardon. Évidemment, je n'ai pas encore, mais ça, c'est pas un problème. Alors, voyons voir que je me... Ok, impec. Là, j'ai ce qu'il faut dedans. Et en sortie de ça, il me faut donc... Oh la vache, il me faut 5 pompes à eau. Et 5 raffineries. Ouah, attends. Voilà, dinguerie. Attends. C'est même plus que 5 raffineries. Il y a peut-être un petit souci dans le micmac là. Attends, quoi? Silica? Tout ça pour faire de la silice? Silica? Silica, attends, solution d'alumine. Et ils appellent ça silica en anglais, d'accord. Ils sont chelous les anglais. Par contre, c'est énorme le débit d'eau qu'il me faut. Attendez, ah oui, c'est ça que je voulais voir. Ça attend quand tu enfermes, mais c'est pas grave. C'est ça là, il me faut 180 mètres cubes d'eau. Une pompe à eau, c'est 120, je crois. Waouh, la quantité qu'il faut là, c'est impressionnant. Bah, on va faire l'accès à l'eau. Hein. Je crois que pas trop le choix, quoi. On va descendre tout ça. Alors, on va pas creuser plus bas que la mer, hein. Faut pas déconner non plus. Là, ça va déjà sous l'eau, là, donc hop. On va commencer comme ça. Et il me faut 5, j'avais dit, donc je pense que je vais faire 2 et 3, là, comme ça on sera bien. Donc on va prendre un peu de marge. Hop, une. Je vais pas les booster, ce serait un peu chiant pour pas grand chose. Tôle de cuivre. Comment ça, il manque de tôle de cuivre. Ah, j'ai pas fait de... Ah, c'est couillon. Et je n'ai pas fait en plus de stockage dimensionnel pour la tôle de cuivre. Bon. Bah, c'est l'occasion de vous montrer le chemin, où est-ce que c'est un petit peu, etc. Voilà, bon, bah. Ouais, ça me fait toujours rigoler quand je vois mes chemins comme ça. Moi. À la base, là, je m'étais dit, bon, bah, je vais faire un trajet en hypertube que j'ai totalement zappé. Voilà. Que je referai peut-être. Mais si vous reconnaissez, on est. Là, au niveau de notre prod de moteur. Comment je vais faire mon trajet en hypertube, moi, ici, d'ailleurs? Je vais faire passer comme ça, je vais faire les montagnes. Bon, c'est une possibilité, ça peut être drôle. Hein. Ça peut être drôle. On va aller chercher ce qu'il nous faut. Et surtout, au-delà de chercher ce qu'il nous faut, mettre ce qu'il faut là, hein, parce que... Hop là. Allez, on va passer tout droit, on va pas s'enquiquiner. Pour une fois, on va changer, ça fera un peu de visite de la map. Ou ça fera en sorte qu'on se fasse courser par des bestiaux, mais ça c'est...
J'ai envie de dire c'est une habitude. Hein. Une petite électrolimace au cas où. Franchement j'ai l'impression qu'on est plus rapide à pied que plutôt qu'à monter, redescendre, etc. Peut-être falloir que je fasse un accès qui coupe. Là je pense que je gagnerai vraiment énormément de temps, on va passer par en haut. Surtout la montée qui est assez longue. Alors la descente ça se passe bien. Hein. La montée est terriblement longue. Vraiment parce que là j'en ai mis un. Là j'en ai mis un je crois aussi en bas. Ouais ouais j'en ai mis un. Et là j'en ai pas mis. J'ai totalement zappé. Ah bah ouais. Shame on me. Shame on me. Hop. Oula. Shame on me. Je suis vraiment pas droit surtout. Tac. Tac. Je pense que là on sera logique. Yes. Ok. Bon et vu le nombre de tuyaux que je vais utiliser aussi. Je pense que je peux prendre quelques tours là. En descente ça va être un peu mieux. Alors. De ce côté-là, ça va être un peu mieux. J'ai retiré à la sortie de la descente là-bas en fait le mur qui était devant. Et avec le mur en moins, à la sortie, je peux garder mon élan. Et là, par contre, ça me fera gagner du temps si je me foire pas. Oui, en vrai, on n'est pas beaucoup plus rapide. Là, surtout une fois que la montée arrive. Je pense que je suis au... J'ai la même vitesse en courant, hein. Voire même un peu plus vite, hein. Plus rapide je veux dire. Après en ligne droite, je suis peut-être un peu plus rapide comme ça avec la ligne droite. Ouais là je suis plus rapide quand même. Ouais, y'a pas photo. Ok. D'ailleurs comment ça me consomme d'énergie tout ce bazar. 1 giga. Oh, putain, ce que je vais faire me consomme 1 giga. Je vais peut-être refaire la production d'électricité au niveau du charbon. Quoique après, je pourrais passer sur le nucléaire. Ouais, mais ça va me demander aussi beaucoup d'électricité sur le début. Non, ouais, je vais faire un petit truc au charbon là. Tranquille, tout beau, tout mignon. Voilà. Regardez là, avec l'élan que j'ai. Merde, j'ai plus beaucoup de carburant. Ah! Non! Ouf. Oh, j'ai failli tomber. C'est bon. Voilà. Ni vu ni connu. Le retour était tranquille. Hein. Le retour a plutôt été sympa. Ouais, c'est bon. Hop, allez, tu m'alignes, s'il te plaît. Un. Deux. Et trois. Tout ça bien évidemment alimenté par de l'électricité. Là, je peux vous dire par contre niveau tuyau. Lumière maestro. Je produis 600 mètres cubes ici. Ah c'est parfait. Je peux utiliser un pareil NK2. Donc là ce qu'il faut que je fasse c'est juste que tout se rejoigne. Là je mets un gros truc au milieu là. Et puis je serai bon. Ah oui alors. Si possible je suis pas bon moi. Hein. J'ai pas les trois en face des yeux. Ça a l'air. Non, toujours pas bon. Je pense que là on sera pas trop mal. Ouais, non. On va voir. On va tester. Hein. Ici, ça a l'air mieux, apparemment. Non, pas du tout. Ça doit être pile entre les deux, en fait. Hein. Genre là, quoi. C'est mieux.
2D auto, j'aime bien. Voilà. Là. C'est vraiment aligné ça? On dirait pas que c'est aligné, hein. Sans vouloir être offensant. Si. Bon. De toute façon, c'est toujours chiant, ça. Hop, tac, 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 tac. Je pense que là, pas du tout. Hop. Là, on va faire la même. À l'endroit auquel je peux essayer de placer mon machin. C'est pas mal là. Ouais, non, l'autre là, il est pas bon. Il y a clairement un décalage là. Il y a clairement un décalage. Je me prends pas pour un. Eh. Ils sont alignés, mais ils sont pas droits. C'est... Regardez, ils sont vraiment alignés là. Ils sont. Tu me casses les bonbons, toi. Genre là. Voilà. Tu vas regarder. Là, si on compare par rapport à ça, là, ils sont. À peu près, bah, pas grand chose de bien. Là, on est sur l'arrière. Là, on est sur l'arrière. Bref. Ah, mais il est pas centré. Bah, si. Bon, bref, on s'en fout. C'est bon, ça m'a saoulé. MK2. Ici, j'ai pas le choix. Et ici, on part sur du MK2. Je vais mettre lui ici parce qu'apparemment. On peut passer sur la pipeline. Hop. Et le reste de l'alimentation. Se fera. Grâce à de la production d'eau. Qui... Un peu plus loin. Alors attendez. 1, 2, 3, 4, 5. On verra un peu plus loin. Bon. C'est au niveau du charbon, etc. Il y a un truc qui va nous faire polir de l'eau. Voilà. Bon là ça tourne, c'est très bien. Bon là, qui vous doutez, dit, qui dit belle montée comme ça, dit... elle est où, bah, pourquoi elle fasse... Pourquoi papa est nu là? J'ai pas le droit d'avoir une pipeline. Voilà. Donc augmenter là. Dans le bon sens, dans la bonne direction. Voilà. Là on envoie l'eau. Sinon il va y avoir un petit souci de pression. Ouais, voilà, ça augmente. Et on a donc je disais 5 raffineries pour faire de la solution d'alumine. Production, raffinerie, hop, dans le bon sens, dans la bonne direction également si possible surtout. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, impeccable. Donc tout ça. Attends, solution d'alumine. Solution d'alumine ou rebut d'aluminium? C'est pas du rebut d'aluminium qu'il me faut moi? Produit à partir de quoi ça? Solution d'alumine. Ah oui, d'accord, oui, ok, solution d'alumine, oui, voilà. Et ça me sort aussi de la silice. La silice, dont apparemment je me sers après. Bah, c'est impeccable, écoute. Voilà. Ça s'équilibrera, toi, à terme, c'est ça le but. Donc on va copier. CTRL-V. 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 Hop là, on va alimenter tout ça en électricité. Faire
dessous, tiens. Oh non, on s'en fout. On va faire là. Comment ça, hostilité autorisée là? C'est de l'hostilité qui est autorisée sinon? Je viens de capter là, mais. Purée! Oh, mais il m'a démonté le truc! C'est quoi le délire là? Wow! Là, je me reprends, je suis pas bien là. Ok. Donc en entrée de ça, j'ai de l'eau et de la bauxite. Ça. Y'a pas de problème. Combien ça me rentre par minute ça? Ah, 120. Je sais pas mon kiki. Voilà, une caca, c'est ce que j'ai le plus sur moi. Et 180, ça je peux garder de la papaye nu MK1. Il va falloir que je fasse. Par contre, pour l'alimentation en eau, c'est double et tout. Parce que j'ai clairement besoin d'un paquet de prod en eau là. C'est comme ça ou c'est comme ça? Essayez. J'ai besoin de 900 d'eau par minute, donc bon. C'est une fois et demie la capacité du MK2 en pipeline quoi. Je vais doubler le truc et ça devrait passer hein. Je suppose, j'espère. Je sais pas si ça passe là. Ouais si, hein, je saurais pas dire. Ouais, ça passe. Ok, super. Comme ça en eau, je pourrais limite mettre du bleu. Ça pourrait me servir pour m'y retrouver un peu. Au niveau des pipelines, j'ai relié là? C'est pas relié du tout. Je l'ai pas fait? Non, mais attends, mais je l'ai fait. Je l'ai fait nulle part. Mais attends, qu'est-ce que je fous moi? Je me suis dit, c'est bon, dans ma tête, j'ai dû me dire, c'est bon, j'ai la flemme, c'est chiant à poser ça. Premier degré. Je pense que ça avait dû finir comme ça à un moment. Customiseur, donc là, on va modifier le nuancier. On va mettre, ça doit être ça, impeccable, c'est bleu quoi. Ma logique veut que en RVB ça soit du bleu, oh la vache. Alors moi je le vois le bleu, hein. À mon avis pour vous ça doit être un pétant, j'imagine même pas la couleur du bleu, merde, pour vous. Hein. J'ai colorié le sol, excusez-moi j'ai fait tomber le pot de peinture. Là. Alors, tac, donc j'ai lui qui arrive. Ouais, faire un effort, hein, s'il te plaît. Hop, tac, tac. Je me trompe pas là, ça doit être à peu près droit. C'est que je suis pas du tout bon, hein. Ouais, non, j'ai merdé. Effectivement, j'étais pas bon, mais ça on a rien vu, hein. Personne n'a rien vu. Voilà, hop, du premier coup, waouh, trop fort. Oh non, je vais le mettre mieux ici.
tac, tac, et tac. Voilà, on a de la flotte. On a notre flotte. Tout ça, c'est de la flotte. Hein. C'est quoi ça, c'est la planète impeccable. Ça doit être blindé de flotte. Ouais, c'est impeccable. Là. L'eau, elle a du mal, hein. Ah, faut que ça remplisse les tuyaux, tu me diras aussi. L'eau, elle a du mal ou c'est la pompe qui a... La pompe, elle est basse, hein. Et il dit 50 mètres, bon... Je vais remettre une pompe juste là. Okay. Ça mange pas de pain, ça consomme un tout petit peu, mais c'est pas bien grave ce que ça consomme en électricité. Je passe après sur tout ce que je vais mettre là. Oh le débit. Et on va faire l'arrivée de la bauxite. C'est vrai qu'ils sont MK4 lui. On va aligner par rapport à là, on va pas s'enquiquiner là. C'est parti de là, je pense. Donc là, on va avoir notre première production de silice, de solution d'alumine. Bah alors, je peux pas passer en dessous là. C'est nouveau ça, j'ai fait ça tout à l'heure, enfin la dernière. C'est quoi le Vince? Bah. Ils ont fait une petite mise à jour et on peut plus passer là, c'est chiant. Hein. Sérieusement? Mais non! Ils ont patché ça, genre c'est une micro mise à jour, bande de salauds. Hein. Plus de vitesse. Oh, sérieux. Faut chier. Tiens, bouffe ta bauxite, toi. Toi aussi. Tant qu'à faire. Ok, ok, ok. Donc ça et ça c'est fait. On va passer maintenant au coal. On a besoin de charbon, 300. On va peut-être vérifier aussi la production de charbon en termes. Oh la vache, tout ce qu'on voit. Ouais mais en même temps c'est vrai que là j'ai 480 par minute avec le MK4. MK4 ouais. Et j'ai besoin de 600 donc c'est normal. En raffinerie, aluminium scrap. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais faire la deuxième partie ici. Il faut 2,5 raffineries précisément sur le rebut d'aluminium. Faut que je récupère. Oh putain, attends, faut que je récupère de la silice et du. Oh merde. Et silice et. Solution d'alumine. Tac. Attends, j'ai fait que sur 3. Ok. Ma question, c'est comment je récupère de chaque. Solution d'alumine 600 mètres cubes, c'est impeccable. Et silice 250. Ok, ça me va, ça me va. Solution d'alumine, je vais pouvoir mettre un seul MK2.
Voilà. Là, j'ai le charbon et la solution d'alumine. Charbon qui est là. Putain, le charbon il est proche. Hein. Peut-être d'avoir besoin de faire passer des trucs encore en souterrain, moi aussi. Ok, oui. Parce que ça, c'est vachement près. Hein. C'est vachement proche. C'est même beaucoup trop proche. Peut-être alimenter autrement là-bas. Bon, on verra. On verra, on verra. Je réfléchis. Je vais changer. Je vais changer parce que ça me saoule déjà. Tac. Là, tout simplement faire ça. Hop, toi tu peux désactiver ton bordel. C'est qu'on peut pas dire. J'ai un lit. Je ferme ma. Je sais pas à quoi j'ai pensé. Mon cerveau était. N'était pas là justement. My brain was. My brain was FK. Away from my body, hein, j'ai envie de dire. Hop. Voilà. Qui fait que là ah ça a déjà rempli ça ok ah oui tu me diras les tuyaux sont peut-être là wow attends je suis en train de voir un truc là wow. Voilà c'est mieux en descente, ça c'est pas un problème du tout, au contraire. Là, non, bah, non, c'est pas bon. Ouais. C'est beaucoup trop collé là, j'aime pas. Là, je vais le refaire passer par en dessous, mais ce sera plus propre. Voilà, ce sera plus propre. On va voir là, si je fais ça, hop. Là, hop. Hop et hop voilà. Ouais ça fait bizarre de faire ça mais c'est pour une question de ah, j'ai un MK1 qui traîne quelque part. Effectivement j'en ai deux qui traînent, j'en ai trois qui traînent. Ouais, c'est quoi cette blague? Voilà. Charbon. Et au milieu, bah oui, sinon ce serait pas drôle. Répartiteur, je sais pas là si ce sera bon ou pas. Pif. Oh, j'aime bien le pif comme ça, moi. Moi j'aime bien le pif quand il marche bien. Le pif quand il marche pas, c'est chiant, mais le pif quand il marche bien, c'est bien. Pas besoin de ça. Hop, ça.
Ouais, mon vieil, c'est bon. Comme ça, on va aller. On va aller faire ça mieux. C'est que là, on a ça, là. Comment ça? Ah. Bon. Là on est sur deux hauteurs différentes pardon. Sans kikine pas. Charbon il arrive hein. Tu arrives lentement le charbon. À tous les coups, j'ai dû faire du mequin quelque part. Voilà, oh oui, oui ça va, c'est mieux. Oh, c'est mieux. Là j'ai ma solution d'alumine qui ressort de là-bas. Hop. Alors. Tac. Tac. Je pense qu'on est bien. Oui. Oh mon vieux, c'est quoi ton souci là encore? Tout un truc chelou, c'est pas bien grave. Deux. 4, 5. Wow. Oh, j'ai fait un truc chaud là. Voilà. Là, je mets 2 MK2 parce que je vais avoir besoin de 600. Mine de rien. Vertical non, auto non, 2D auto oui. Là je suis en face hein. Voilà. Ici on est aligné sur le même truc hein, de toute façon donc voilà. 2, 3. Oh la vache, oh ça va se croiser. Vous allez voir, il va y avoir des croisements à la con, ça va être terrible ça. Oh là là là. Vous allez vite comprendre. C'est un peu chiant. Mais c'est pas grave. Ah, partout là-dessus, ce bordel là. Alors je crois qu'il faut mettre ça comme ça. Oh, oh là. Ok. Je suis en train de penser à un truc, c'est que ça là. Hop. C'est pas mis en bonne couleur. 3, 4, 5. Ensuite, je voudrais voir un truc. Ah, mince. Mais si seulement ça pouvait marcher, ça. Voyons. Oui, merci. Ah oh bon, d'abord. Bah, you. Ah. Solution d'alumine. Oh, c'est vachement transparent, ça. Ce que vous en pensez, c'est vachement transparent la solution d'alumina. Si vous voyez ce que je vois, il mieux vaut que ne mieux vaut pas. Tac et tac. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau customiseur, un nouveau nuancier. Voilà, ça apparemment, c'est la couleur solution d'alumine que je vais. Wow, m'empresser de. Waouh, ça fait un coup de lag le fait de personnaliser la couleur. Je sais pas si vous avez vu, mais waouh, méchant, méchant. Ah, méchant, ah, la vache. Depuis que j'ai personnalisé la couleur, c'est laggy. Hein.
Voilà. Là, t'as tout sauf envie de mettre tremper un doigt dedans. Comment dire, voilà. Bon, normalement, ça prend pas 300 par minute. C'est bon. Ça galère, là. C'est parce que ça doit être plein en silice. Pas du tout. Pourquoi ça l'arrête ? C'est alimenté, là, pourtant. Pourquoi ça l'arrête ? Pourquoi ça tourne pas ? Pourquoi tout est à l'arrêt ? Pourquoi il n'y a plus d'eau ? Pourquoi mon eau ne tourne pas ? Si mon doigt tourne en plus, attends, c'est quoi le délire? Ah non, ça tourne pas. Pourquoi ça tourne pas? Pourquoi j'ai plus d'électricité ici? Ok, là ça allume, là ça allume. Je vérifie que tout ça soit alimenté. Ah non, c'est pas alimenté du tout. Pourquoi j'ai coupé? Ah, c'est bon, ça devrait revenir à la normale. On va pouvoir quitter ça, voilà. En sortie de tout ce bazar, on a de l'aluminium scrap. Quoi ? Ah ouais. Beaucoup de rebuts d'aluminium. Je vais voir. Ma production, je déconne pas. Hein. Si je fous ça là. Si... Alors juste pour déconner, hein, on va pas le faire, mais... Ah oh bah oui. Mais lui, 800 par minute, t'inquiète. Ah, calmos, c'était pour rigoler mon ami. 1800 rebuts par minute. Hein. Waouh. Bon, je crois qu'il y a rien qui tient là. Mais tu peux te calmer s'il te plaît, hein. C'est bon. Il me sort de l'eau, attends, il me sort combien d'eau là? J'ai un générateur à eau. Hein. Bref. Voilà. Et c'est là où je vous disais, ça va être drôle. MDR. Vraiment que je prenne l'habitude par contre pour le prochain truc de faire des plats à 1 mètre. Je gagne un petit peu de hauteur sous plafond, surtout quand j'utilise des tuyaux. Parce que là, ça m'enquiquine, on va dire, pour parler poliment, plus qu'autre chose. D'ailleurs, là, ça m'enquiquine vachement, ça aussi. Là, je vais faire comme ça. Ah merde, j'ai fait du horizontal à vertical, con de moi. C'est du dédé auto que je voulais. Les courbes sont pas belles après. Customizer? Yeah. That's so easy, my girl. Bref. En vrai, c'est... Ce serait bien si ça pouvait longer un peu plus le sol, mais y a pas, je connais pas le moyen de faire longer plus le sol à ce truc-là. Prête à ça, mais là, c'est ça rentre à moitié dans le plafond, donc c'est dégueulasse. À voir. Hop, il y a trop proche, ouais. Hop, ça c'est bon. Ça c'est bon. Tac tac tac, je fais 300 mètres cubes d'eau, donc je peux rester sur M15 tout pile. Et c'est là où ça va être un peu plus... direct plus chiant. Donc là, je pars là-dessous en bas là. Prendre de large au cas où. Hop. Hop, 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 hop. J'ai cru que j'allais tomber. Mais ça va.
Ah bon? Ah oui, bon, il a dû passer. Il s'est flanqué. Hop, alors ma seule crainte là par rapport à ça, c'est. Enfin, ma seule. Ma crainte, on va dire. C'est. Au niveau de la hauteur, ça pose problème. On va se méfier. Justement, que ça ne pose pas problème. Là, c'est dégueulasse comme ça, faut pas déconner. On est à la verticale, non. Manteau de dé. Hein? Wow, c'est pas trop ça l'auto de dé. Ouais, il a tendu horizontal, vertical, ok. Oh mon dieu, sérieux là, par contre c'est quoi le délire? Voilà. Il attend vraiment ça hein. Bon. On va faire pareil de ce côté, hein, c'est pas bien grave. Voilà, il le fait 10 fois plus près. Ah. Là, comme ça, tu me l'acceptes. What is your problem? I don't understand, là. Ouais, c'est le fameux problème du on ne sait pas trop pourquoi. Mais, voilà. Là, c'est... Allô, lumière, maestro. Là, c'est en plein milieu. Ok, donc là... C'est le mob là. J'ai pas sauté, hein, c'est vraiment le mob qui m'a fait. Qui m'envoie en l'air. Hein. C'est. Voilà, bref. Hop! Là. Supprimer ce que j'ai créé pour la construction. Ça, ça envoie en dessous. Ça, okay. À vérifier si au niveau du nivelé ça passe. Bon, d'accord, oui. Ça a l'air. Hop. Hop. Hop là. On va colorer vite fait quand même, faut pas déconner. Alors, on va rien colorer du tout. Hop, customizer. Ah, ça a dû tourner ça. Hein. Oui. Et ça. Volume qui sort. Je vais mettre le MK4. Je pense que ça n'a pas le choix. Sinon, c'est le 270. C'est en bon pour du 360 ou quoi. Ouais, clairement. Ok, je suis sûr à combien là, de temps de record là. Je suis en train de voir 49 minutes. 59 minutes, purée. Bah, on va s'arrêter là pour l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, on va continuer sur le prochain. Je sais pas si j'aurai fini pareil sur le prochain. Disons qu'au moins on a fait un peu le plus chiant, surtout avec ce qu'il est les utilisations des pipelines. Si je me trompe pas, on n'a plus besoin de pipelines. Donc, bien moins chiant. Beaucoup, beaucoup moins chiant. Allez, moi je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain. C'était Thiob. Ciao.